Passons aux choses sérieuses. Ok. Oh là là. Ok, ok, ok. Alors là. Alors là. Il va jusqu'où? Oh, il est parti en SSJ2! Dans cette vidéo sur Sparking Zero, nous allons tester Black Freezer. Et vous allez voir que c'est pas juste un skin, il a de nouvelles attaques, c'est trop stylé. Si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bonne vidéo! Regardez tous les personnages que j'ai, c'est juste n'importe quoi. Putain, j'avais pas vu, j'ai Broly, Into Broly Limit Breaker. Mais regardez-moi ça, il est trop stylé! Non, vraiment, là, il y a eu un outil de mode qui est sorti et ça rajoute plein de trucs, c'est juste incroyable. On a du Vegeto God avec des nouveaux skills et tout, non, c'est incroyable. Je sais pas qui on va affronter. Allez, c'est parti, Black Freezer. Bon, il est pas encore en Black Freezer, évidemment. Ah oui, je suis allé direct en combat, c'est vrai. Bon bah, en vrai pas d'entraînement aujourd'hui, on va tester direct en combat et en vrai ça sera peut-être pas plus mal. Let's go, c'est vrai que je suis parti direct en combat sans trop réfléchir. Pas forcément en entraînement. C'est pas grave, pour aujourd'hui, vous savez quoi? De toute façon, on va qu'affronter du bot parce que c'est pas forcément très très stable ce genre de mode en PVP. Ça marche, je le montrerai très certainement en live. Mais il y a du crash, donc bon, pour une vidéo, c'est peut-être pas le plus pertinent. Et comme ça, je peux vous montrer plein de persos modés vraiment très cool. Alors, je pense que rien n'a changé hein, vers la forme de base, golden, etc. Je pense que vraiment rien n'a changé. On va lui faire un peu de dégâts. Ah, génial. Par contre, j'ai tellement plus de vie que lui. Je lui ai pas mis des objets. Hein. Ok, boum. Ah, c'est vrai que ça coûte super cher de se transformer en golden. C'est 3 de ki pour le golden. Enfin, de ki. Vous m'avez compris. Hop, hop, hop. Oh non, mais abuse. Abuse. Il est fou, lui. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Vous savez quoi? On va aller en golden d'abord. Qui font les cinématiques? Aïe, 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 le flow. Je sais pas combien ça me coûte d'aller en Black Freezer. Du coup, là, on a le Golden. Ah, super, ça valait le coup. Ok, ça a l'air de me coûter que seulement deux points de compétence hein, pour... Et il est vénère, ce Goku Xeno, là. En SSJ4, il est juste trop stylé. Hein. Il peut se transfo, hein, si jamais. S'il a envie, il peut se transfo. Bon, allez, je pense que c'était marrant. Passons aux choses sérieuses. Ok. Oh là là. Ma nouvelle évolution. Oh non, il tapait la pause, mais il m'a envoyé des kikwa. Donc comme je le disais en début de vidéo, il a totalement des nouvelles attaques. Hein. C'est pas juste un skin où on a une transfo en plus. Là, ça y est, c'est des vrais modes, les gars. C'est des vrais modes, et j'arrive pas à le counter. C'est terrifiant. Oh, c'est bon. Oh, j'aurais bien aimé le counter, mais j'ai pas eu le temps. Oh, l'aura et tout. Vous voyez, il a des auras custom. Il a la totale, hein. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi cette aura. Bon, on a rien vu du perso. Il est trop beau, il est incroyable. On va peut-être aller en entraînement pour voir tout ce qu'il peut faire, mais c'était la première game pour vous montrer vite fait. Allons voir en entraînement, comme ça on voit toutes les attaques. Et après, on le testera en combat contre des bots. C'était quand même bien le bazar. Pourquoi je peux pas me transfo? Ah, faut attendre avec Freezer. Ah non, c'est bon. Ok, donc là, je peux aller directement en black, hein, si je veux. Regardez-moi cette aura, non mais... Ah, il est trop beau, vraiment. Regardez, non mais... C'est quoi ça? Regardez l'aura de fou. Bon, ça ressemble à l'aura de rosé, mais en un peu plus foncé, on dirait quand même. Si je dash, vous voyez que... Ça a l'air de faire un petit peu Black Goku rosé. Mais honnêtement, sur Black Freezer, ça passe de fou malade. Hein. La shop, ouais, classico, ok. Donc, là, vous vous dites, bon, ça reste... C'est Black Freezer, ok, mais est-ce que c'est pas juste un skin de Golden Freezer? Vous allez voir que non, c'est vraiment un perso à part entière. Bon, vous doutez bien que ça va pas être aussi bien fait que dans le jeu de base. Hein. Mais on a des petites attaques bien sympathiques comme la Black Sphere. La Black Sphere qui... Il envoie une grosse boulette. Bon, la caméra est un peu buggée, mais je pense que ça, ça, il peut le changer, peut-être, très certainement, c'est pas forcément un très gros problème. On a la sauvagerie, ok. Oui, on a la sauvagerie, ça s'est activé, je peux plus le faire. Et on a un sparking. Bon, ça, classico, hein, il l'a pas changé. Il a laissé le truc de base, et ça, je crois que c'est aussi de base. Ouais, voilà. Mais c'est quand même incroyable. Je suis content qu'il l'ait laissé, parce que comme ça, on voit des enchaînements avec Black Freezer. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Il est ouf, hein. Vraiment, il a un flow de malade mental, le perso, hein. Boum! Et les boulettes sont ouais, de cette couleur là, mais je crois que c'est celle de Golden. Donc là on peut se mettre en sparking.
Et l'ulti Black Nova, vous voyez. Let's go la Black Nova. Et du coup, ouais, c'est son ulti en full power. C'est cool, il a pas fait exactement les mêmes qu'en Golden. Du coup, je trouve ça, ça rajoute un petit truc en plus. C'est quand même bien classe. Bien stylé. Et voilà, c'est Black Freezer. On a vu tout ce qu'il pouvait faire. Bon, après, ça reste les enchaînements classiques. Hein, ça, forcément, je sais pas si un jour il y aura des modifications de moveset sur ce jeu. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Je sais pas. Autant faire une spé avec un bel enchaînement. Je pense que c'est quand même beaucoup plus stylé. Mais pour l'instant, il est beau. Hein. Franchement, il est bien fait le perso. J'aime énormément. Et je vous dis, il y a plein d'autres persos. Là, Black Freezer, on est dans le début des modes très stylés. J'ai testé aussi un Vegeto SSJ4 Limit Breaker avec Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 Xeno. Pff, c'est incroyable. Je pense que ce sera la prochaine vidéo, mais c'est juste monstrueux. Écoutez, on a vu ce qu'il y avait à voir sur ce petit Golden Freezer. Il est vraiment trop cool. Regarde-moi cette aura. Non, j'adore. Je suis trop content d'avoir un Black Freezer qui est aussi bien fait en vrai. Avec des nouvelles attaques et tout, c'est pas juste un reskin du Golden. On peut se transformer en Freezer Super, en Golden, into le Black. On peut même retourner en forme de base, hein. Totalement faisable. J'adore, c'est que demander de plus, hein, à part peut-être des meilleurs spé, mais honnêtement, là il est totalement jouable, totalement faisable. Évidemment, le lien est en description. Dites-moi ce que vous en pensez, puis on va se faire kiffer pour la suite de cette vidéo. On va juste faire des combats avec, et ça va être trop cool. Avec tous les modes qu'il y a, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Let's go! Voilà, le manteau de Goku, il passe en cinématique, il passe moyennement. En game, ça va un peu mieux, parce que du coup, tu vois moins les détails. C'est quand même incroyable, hein. Petite tenue qui remplace absolument aucune tenue, hein, juste c'est une nouvelle tenue qui a été rajoutée par le mod. Vraiment là, c'est maintenant qu'il y a l'outil de modding pour les modeurs, c'est juste un pur régal. Hein. Ça devient Xenoverse le truc. Il y a tout et n'importe quoi en termes de mod maintenant. Et c'est que le début, c'est maintenant que tout le monde y a accès, ça va être encore plus incroyable et j'adore. Vraiment j'adore. On a commencé direct en black. Hein. On a vu les transfos, ça suffisait, hein. J'allais pas aller chercher la transformation à chaque fois. Je peux direct aller en... Il est vénère. Viens là vite fait. Voilà. Ouh lolo. Il se refuse rien. Tu vas te calmer. Il est trop beau. Et là, Sparking Mode. On fonce dans le building. Salut. T'es où? Oh là là. On est en train de le détruire, il peut rien faire. Bah après c'est un bot, hein, franchement. C'est tranquille, ça aurait été un autre vrai joueur, ça aurait pas été la même. Ah oui, non mais... Calme-toi, j'ai rien dit. Oh là là. Oh là, oh dommage. On est où là? Je sais même pas où on est sur la map. Ok, moi ce que je voudrais, c'est caler ceci. Ah ouais. Ah dommage, il n'y a pas de son. Il l'a esquivé. Il s'est TP. Oh non, il s'est TP. Oh la blague. Ok, j'ai sauvagerie. Hop. Oh la sauvagerie qui a servi à rien. Il l'a TP. Ah, j'arrive pas à counter. C'est pas le même timing qu'en PVP. Du coup, c'est très perturbant. Oh oui, let's go. Tu meurs. Oh. Deux fois que je te le fais, Goku. Hein. Boum. Black Freezer. Bah évidemment, il n'y a pas de modification de stats en mode il est pété. Mais moi, avec les capsules et tout, tu peux le faire toi-même en soi, le rendre broken et ajouter plein de capsules d'attaque, de vie, etc. Là, j'ai juste rajouté la vie pour faire durer un petit peu plus les combats. Et je pense que ça suffit largement parce que... Bon, si on le fait trop péter après, ok, c'est RP, mais on profite pas du combat et des animations. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr. Allez, affrontons des vrais ennemis. Vegeto God. Bon, forcément, mode contre mode. Y a pas forcément de... Ah, lui il a une cinématique. Enfin, il a un dialogue, je pensais pas. Mode contre mode, je pensais qu'il en aurait pas, mais... Apparemment ils peuvent. C'est... Bon, tant mieux, hein, ça fait moins vite dans la cinématique. C'est bon, une intro où ça parle pas, c'est... Ah, c'est le drama, hein, on va dire. Hein. Au moins,
Il y a de la tension, regardez-moi ça, ce Vegeto God, comment il est trop beau. Et il a des nouvelles attaques lui aussi. Hein. C'est, on avait testé le mode, juste le skin, mais le modeur qui avait fait le personnage a rajouté des skills. Genre du coup il a le Black Final Kamehameha je crois, des trucs comme ça, genre très stylé. Et il m'a pris dans un mur. Voilà, bah alors ça fait quoi d'être pris dans un mur? Bon, on peut sortir de là? Voilà, merci. Oh c'est terrible. Hop. Ok, vas-y, pas de soucis. Oh là 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 là, le bot en difficulté max. Et encore, je crois qu'il y a encore plus haut en custom battle. Mais il me semble qu'en combat comme ça, tu peux pas être aussi énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est détransformé, il a plus d'énergie, vite, profitons-en. Profitons-en. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais let's go. Allez. Ok. Alors là. Ça touche? Oui, tous les jours de l'année! Boum! Incroyable. Donc je remets la sauvagerie, histoire de... Est-ce qu'il va se transformer du coup? Parce qu'il s'est détransformé, mais pourquoi faire? Hop là! Wouhou! J'adore faire ça, vraiment c'est... Mais qu'est-ce qu'il veut? Et il a tellement de points de compétence. Hop là! Il peut se transformer, hein, mais il a pas l'air d'avoir envie de le faire. Ok, vas-y, viens, on va chercher l'ult. Tu veux spé ou... Il va jusqu'où? Oh, il est parti en SSJ2. C'est trop bien. J'adore. C'est trop stylé. Vas-y, viens te battre. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, le bot, il fait n'importe quoi. Allez, vas-y, dégage de là. C'était stylé, il a rien fait, vas-y. Trahison. Il a pas réussi à maintenir la forme SSJ2. Vegeto, la fraude, c'est dur de le dire, mais... Il a rien fait, Vegeto, il a rien fait. Allez, pour finir, j'étais obligé d'aller chercher ce combat. On n'a pas encore de Vegeta Ultra Ego. Par contre, on a un Goku Ultra Instinct, donc, évidemment. Oh là là. En plus avec une nouvelle tenue, l'Ultra Instinct, il est pas censé avoir cette tenue. Normalement soit t'as tout le t-shirt en bleu, soit t'es full tenue, soit t'as rien du tout sur le haut. Et avec des mods tu peux rajouter d'autres tenues et du coup on a la tenue, je crois que celle-là c'est Goku Namek. Du coup on peut la mettre sur l'Ultra Instinct et je crois que c'est la tenue qu'il a dans le manga à ce moment-là il me semble. Je sais plus. Mais doit y avoir un délire comme ça. Mais très stylé, hein, vraiment. Oh là 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 là. Oh, tu joues ou... Ah oui, ça y est, il s'est réveillé, ça y est, voilà, ça y est. Oh, yo. Boum. Ouais, essayez de caler la frappe sans rancune. Bah attends, il se relève pas, moi j'en profite, hein. Let's go. Non, il a TP, j'ai trop le seum. Il a l'air très passif, là, Goku. Il n'ose pas trop attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Et je comprends pas, il fait rien. Tiens, bouffe. Ouf. C'est pas mal cette attaque, hein. Ça va vite, c'est fort. Ah bah quand même. J'ai cru que tu m'attaquerais pas, mais non, c'est juste le bot avec Ultra Instinct qui est complètement con. C'est juste ça, c'est tout. Il se relève pas rien, mais... Et je vous jure, il est en difficulté max, le bot, hein. Après, peut-être les modes aussi font que des fois ça déconne, hein, mais... Ah non, il a juste peur de Black Freezer, quoi, il est... Il en a juste peur. Ouais, sinon il contre, il fait des trucs, hein. Ouais, il fait des super contres, je pense pas qu'à faible niveau, le bot super contre. Il est juste... il est déboussolé par la puissance de Black Freezer, c'est tout. Oh là là. Boum, allez. C'est terminé. Est-ce que ça le tue? Et au pire, est-ce que ça détruit la planète? Aucun des deux, mais comment ça? Comment ça, ça détruit un... Bon, Goku qui charge dans l'eau, c'est peut-être pas la meilleure idée. Est-ce que je peux détruire la planète avec ça ou pas? Ah, ça peut rien détruire, hein. Ça ne détruit rien du tout. Oh, ça y est, t'es énervé? Ça y est, il s'est réveillé. Oh oui, puis il s'est bien réveillé. Oh la vache. Oh la sauvagerie et tout. Hop. Hop. Ouh, bien joué ça. Oh là là, ça y est. Bon, malheureusement,
Il va jamais jusqu'au bout des choses, mais... C'était sympa. Non, Black Freezer, très stylé, mais je pense que je ferai des games en PvP. Genre, si on met pas trop de mode, normalement... Normalement, on devrait pas trop y avoir de crush. Genre, par exemple, si vous jouez avec un pote et que vous installez juste Black Freezer, normalement, il y a aucune raison que ça crache. C'est comment que vous commencez à installer énormément de mode. Là, il y aura peut-être des petits problèmes de compatibilité, de stabilité qui font que en online ça marche pas trop. Mais je pense que là, si vous installez juste le Black Freezer, entre vous, zéro problème. Donc, impeccable. C'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle a été très très longue ou pas, mais bon, forcément, affronter des bots, c'est pas non plus le plus pertinent. Je ferai peut-être une autre vidéo où on affronte des gens en PvP avec le Black Freezer. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais j'espère que ce petit mode vous aura plu, que... Le fait que ce soit pas juste un skin cette fois, ça vous est plu. Parce que je sais qu'il y en a qui se disent « Bah, c'est juste un skin, ça sert pas à grand chose. » Là, on a nouvelle transformation pour Freezer, des nouvelles techniques, aura customisé, nouveau skin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Dites-moi. Je vous fais des gros bisous, les gars. Bye bye.